Bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va vous présenter un petit camtar qui est juste derrière là. C'est le camtar à Baptiste. On l'a aménagé tout ça, donc on va vous montrer l'avancée, etc. En mode, on a tout aménagé pour qu'il puisse dormir dedans, que ce soit accessible quand il part faire des tours en van, etc. Et voilà, c'est parti. Oh, what's up? Flag d'eau. T'as dit quoi, mec? Tranquille et toi? On est là. Hein. On va commencer par l'extérieur. Il va nous expliquer un peu ce que c'est, ce qu'il y a, etc. En gros, on est sur un Fiat Scudo 2 litres JTZ. Ça, c'est tout premier Fiat à l'ancienne de 1995. Vraiment, les premiers qui sont sortis. Les jaunes fluo, c'est pour la beauté du truc. L'extérieur, ben, c'est moche. L'intérieur, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est un truc qui est pas mal, tu vois. On a fait les deux bouches d'aération pour qu'il puisse respirer et ne pas mourir pendant la nuit. C'est vraiment en fait sur une face extérieure où vraiment il fait rep un peu le camtar. T'as vu, il y a du scotch sur le rétro. Les plastiques gros, ils sont gris, ils sont même plus noirs. Après, il a vécu le camion. Ouais, il a vécu aussi. En gros, là, tout ce qui est la partie ici, c'est tout. Je mets des stickers de partout où je pars. En gros, là, cet été, j'ai commencé à partir. J'ai commencé par Passy. En gros, celui qui fait un peu, c'est vers Mont Blanc et tout. Après, Valras-Plage dans le sud, Montpellier. Châteaudun, c'est à 2h d'ici. Et là, je repars la semaine prochaine. Et partout où je vais aller, un petit sticker de souvenir où je dormais avec le camion. Moi, ça fait une petite marque, voilà, un peu côté souvenir. Des projets avec le camion, c'est quoi du coup? Bah après, projet, c'est bah, sur un coup de tête, partir en week-end ou faire des vacances avec. Enfin, être libre en gros, trouver un petit coin paisible, dormir, week-end pêche avec les potes, week-end avec sa meuf, tout seul à l'aventure. Explorer le monde, bah explorer le monde, quoi, tu vois. Donc là, on commence tout de suite. Porte latérale. Gros, là, c'est mon petit fourre-tout, on va dire, tout ce qu'il faut, une sangle, un ciseau. Un petit rangement, quoi. Ouais, un peu un petit fourre-tout là, de ce que j'ai besoin. C'est un petit miroir le matin, bah voilà, si on veut se coiffer, s'il y a des femmes, elles veulent se maquiller. Enfin, du coup, la mienne, ça veut se maquiller, machin et tout, se peaufiner dans le miroir. Préciser qu'on a fait tout de nos mains. On était plusieurs, hein. C'est que la débrouille, voilà, c'est ça. C'est que de la débrouille. C'est vrai qu'il y a des petits détails, c'est pas vraiment bien, c'est ça. Mais c'est pas. Il y a des trucs, que c'est un peu. Ah, mais c'est pour la débrouille, en vrai, pour la débrouille, on s'est bien démerdé. Et on est parti sur une base, vraiment, c'était chaud de con. Je vais vous mettre des petites photos à l'appui, tout ça, etc. Mais on est parti d'une base, les gars, c'était hardin. L'isolation, tout ce qu'on trouve, la partie technique, un peu, on va dire, chiante, mais ça peut intéresser. Moi, je suis parti sur une base Armaflex. Donc sur les murs, je suis en 19 mm d'Armaflex. Au niveau du plancher et plafond, je suis en base Armaflex 9 mm. C'est entre guillemets le plus gros du budget aménagement. Parce que bah, c'est quand même un certain coût, mais tout ce qui va être bah, pour l'hiver, au moins ça va maintenir la chaleur intérieure et au moins je peux être au chaud, tranquille et tout. Même niveau insonorisation, on peut voir là, ah, ça sonne pas, ça résonne pas quoi, ça insonorise un tout petit peu. Mais après, au niveau bois, je suis passé pour les deux portes, j'étais en contreplaqué ou coumé en 9 mm. Et après, pour le plancher, les murs et le plafond, j'étais en OSB, 3 plis, plafond mur en 19 mm. Et les murs, après, je restais en 9 mm. Qui est noir en fait dans l'habitacle, c'est de la moquette basique, moquette aménagement pour les voitures sur Amazon. Le sol, bah, c'est du sol de Luneau à l'heure en Merlin, vous trouvez facilement pour les salons, cuisine, des petites dalles adhésives. Le lit, pourtant, fait maison. On a bien galéré. Maison, on a galéré, ça, merde. Fait maison, mais on a bien galéré. Vous allez voir, c'est un lit qui se déplie. Qui se déplie. Bah pareil, fait maison, bois, bah tasseau de bois et tout à Leroy Merlin et compagnie. Papier peint, pareil, hein, papier peint Leroy Merlin. Les petites LED au plafond, pareil, c'est. C'est vrai, on a bien galéré à passer les lits. Ouais, c'était chiant et tout, mais voilà, ça fait le taf, ça éclaire bien et tout. C'est pareil, ça c'est du Amazon, les prises au mur. Enfin, c'est vraiment que de la recherche. Bah, que en gros, ce qui est fait pour la maison, je l'ai transféré pour le camion. Dessous, on a donc la batterie qui alimente du coup bah, sa prise ici et ses lumières. Ainsi que s'il veut charger son téléphone, mettre son truc pour faire réchauffer la bouffe ou quoi. Des distincteurs, important pour éviter que ça prenne feu. On sait jamais, il y a toujours des risques avec l'électricité, l'eau, etc. On sait jamais. Sécurité, même si, je dors, il y a un petit feu de forêt qui se déclenche au sol, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer. C'est important. C'est là, genre, tout, mais j'ai mis deux grosses caisses. En gros, bah, c'est une caisse là, un peu tout ce qui est pour les randonnées, chaussures de rando, matos de randonnée. Deuxième caisse, c'est tout ce qui est hygiène, cuisine. Bah, en gros, tout ce qu'il faut, bah, sopalin, PQ, j'ai une petite bassine, chiffon, produits vaisselle, vraiment tout ce qu'il faut bah, pour l'hygiène quotidienne et pour bah, la nourriture quotidienne et tout. Le but du camion, c'est un camion prêt à partir. Je prends mon sac de vêtements, je prends un clé de camion et je pars, il ne manque rien. C'est vraiment, ça sera vraiment que fixe. Je rechargerai au fur et à mesure bah, si mon gars. Ouais, la bouffe quoi. Là, j'ai un petit jerrycan de 20 litres d'eau potable. Je vais se doucher, je peux me brosser les dents, la vaisselle. Toujours utile parce que bah, si on est au milieu de la forêt, bah voilà, faut avoir de la réserve. Il faut préciser que j'ai optionné pour avoir des caissons comme ça.
faire des caisses pour que déjà de 1, quand l'hélice il est déplié, ça lui fasse une espèce de table de nuit. Ça peut lui faire du rangement aussi, mais pour qu'il puisse mettre des outils, pour mettre des petits rangements dedans. En gros, là c'est vraiment la partie mécanique. Hein. Si j'ai une petite galère, là j'ai un petit truc là. J'ai une petite caisse généreusement offerte par mon petit Théo. Après, j'ai la table de ma table de camping. J'ai fait des petites accroches pour ma chaise. Bah, si je veux me poser au bord, manger dehors quand il fait beau, truc comme ça. J'ai pas payé si cher que ça. Et là, il y a deux matelas en gros. Il y en a un premier et un deuxième. Sur mesure que j'ai commandé, franchement, c'est sur un site matelas pour tous. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai payé les deux matelas 110 euros. Donc, franchement, c'est pour du sur mesure et de la bonne qualité. C'est pour moi, j'ai trouvé que c'était l'un des moins chers. J'ai au fond là-bas, en vert kaki, ça va être ma douche portable. Après, on a la batterie. Moi, j'ai opté pour une batterie portative EcoFlow. C'est franchement, elle est chère. Il y a le même système, un peu moins cher, ça, je vous l'avoue. Celle-là, elle fait 800 watts. Donc franchement, moi je suis parti cet été, ça m'a dû me faire 4 jours avec une glacière branchée, les lumières et mon téléphone en plus. Mais après, j'ai aussi une panneau solaire. Là, il n'est pas avec moi, mais j'ai aussi un panneau solaire pour recharger la batterie quand il fait beau. J'ai préféré prendre ça au moins, si j'en ai besoin dehors, je peux la sortir et compagnie, à la place de prendre un système fixe. L'intérieur, on dirait plus un intérieur de bus avec les sièges. Mais bon, ça prouve que voilà, le camion il a des années aussi. C'est vraiment un camion de chantier en fait à la base quand j'ai récupéré, parce qu'il y avait de la poussière, des vis partout, enfin c'était vraiment... Je m'étais nettoyé donc bon pour le rattraper, on a un peu galéré. Là sous le siège, là, vous allez pouvoir voir là, du coup j'ai un bidon d'huile de refroidissement qui ira avec un bidon d'huile moteur au cas où. Un petit kit anti-crevaison. Enfin du coup si je crève, là, j'ai des petites mèches qu'on met dedans, tout ce qu'il faut pour faire un peu de route jusqu'au garage, changer le pneu. Ça, franchement ça c'est une bonne trouvaille. C'est un mini booster, c'est comme une batterie externe en fait. Voilà, c'est pas gros, c'est léger, c'est compact. Il y a les pinces qui vont avec juste à côté là. Et le truc, c'est que en fait, je trouve en panne de batterie, je branche les pinces à la batterie, je branche au moteur ou à la batterie du véhicule, je démarre. Et si la batterie elle veut bien, elle démarre. Et franchement, si après d'avoir un gros booster ou une pince, trouver un autre véhicule machin, c'est aussi utile. Mais c'est une pelle qui se visse. Wesh, mais j'avais pas vu ta pelle. Non. Mais attends, mais moi j'ai compris un truc là. Quoi? T'as acheté une pelle, mec? Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors si on dévisse là, parce qu'elle est multifonction. Hein. Non, c'est pas là. Ah. Là j'ai un petit sifflet. Faut être niqué. Bon ça, j'avoue, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Si je suis perdu, je siffle. Peut-être quelqu'un qui va m'entendre. Si je veux faire un petit feu de camp, j'ai une petite scie qui fait couteau aussi. En fait, la clé, ça comme ça à la pelle. Ça que tu te poses comme question. Ouais. Tu vas voir. Et bien, c'est que du coup, elle fait pelle. Là, elle fait pas une petite scie. Des capsuleurs, ouvre-boîte. Là, c'est pour couteau coupé. Et du coup, si je dévisse un peu, je peux me la mettre comme ça. Et t'as une pioche. Ça fait pioche et je peux te taper la terre comme ça aussi, tu vois. Ok. Et du coup, la question, c'est pourquoi j'ai une pelle? Parce que la question, c'est ça de base. Si je veux chier, comment faut faire? Que je peux me travailler avec mon petit seau, voilà, bref. À faire un dessin. Je prends une petite tente là, qui me sert de douche aussi. Je plante ma tente. Je creuse mon trou. Et j'ache ma crotte. Et les randonneurs, ils marchent dessus. C'est enterré. C'est vrai que c'est marrant, tu vois, en soi. Mais c'est des trucs. Faut y penser quand même. Toi, on n'y pense pas toujours. Et en soi, même. Je sais pas si je prends du bois, machin. Ça fait aussi un peu des trucs immersifs pour les petites branches, des petits machins. Ou je sais pas à quoi me servir à part aller chier, tu vois. Mais. Ça peut servir quoi, creuser un trou pour je sais pas si je veux planter un auvent ou faire ma tente ou je sais pas, enfin ça peut servir à plein de choses, c'est super utile. Et du coup ouais, je me suis acheté une petite pelle pour aller chier quoi. On espère que vous avez aimé la vidéo, tout ça. N'hésitez pas à aller voir son compte Insta à lui qui sera affiché sur l'écran. On est en train de se chauffer là pour partir ensemble, pour qu'on puisse tester vraiment ce que ça donne sur un départ, etc. Voir ce que ça fait. Apparemment il y aura peut-être une petite vidéo où part en rando pendant 3 jours. On verra bien, ça va être marrant ça. Ça peut être marrant. Ouais. Ça peut être marrant. La rando comme le camion. Hein. De baiser. Franchement, je pense qu'on va bien rigoler. Donc moi en soi, je suis équipé en rando parce que je l'ai fait une là cet été. Mais lui, vous voyez comment il est habillé là? Je serais pareil que ça, les gars. Pas les mêmes baskets. Non, t'es fou quand même. Je vous dis au week-end prochain. C'était Théo avec Baptiste et son petit camtar, tout ça. Je vous dis à plus tard.